Salut, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je viens avec une toute nouvelle recette, la recette de jollof rice ou riz gras. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin du riz, de la tomate fraîche, de la tomate concentrée, du curcuma, du gingembre, de l'ail, du piment, du poivre noir, le sel, le cube et enfin de l'huile végétale. Vous pouvez maintenant voir la photo des ingrédients que je viens d'énumérer. Nous allons aussi ajouter des crevettes mouillées. Je chauffe mon huile et je commence par y ajouter de l'ail, du gingembre, suivi du curcuma, poivre, sel et cube. En seconde après, j'ajoute de l'oignon et du piment. On continue en ajoutant des crevettes mouillées. Et puis on ajoute de la tomate fraîche. Et on laisse frire pendant plus ou moins 20 minutes tout en remuant de temps en temps. Nous sommes en train de frire nos ingrédients. Voici mon riz que j'ai déjà lavé. Et voilà des riz. Maintenant, on va ajouter la tomate concentrée. Enfin, la sauce tomate est prête. Maintenant, on va ajouter du riz. Le riz que j'ai déjà lavé, j'ai bien lavé. Maintenant, on va ajouter. On mélange. Il faut bien mélanger. Il faut vraiment bien mélanger. On mélange et on mélange. Il faut vraiment très bien mélanger. Hein? Fini de bien mélanger, on ajoute de l'eau et on couvre. On va préparer pendant plus ou moins 30 minutes. C'est temps, j'ai coupé les oignons que je vais utiliser à la fin. Vous allez voir. Là, j'ajoute de la margarine que nous allons aussi utiliser. Et enfin, j'ai du maquerelle pour la sauce tomate. Voilà, je vais déjà mis ça dans mon assiette. Notre riz est prêt. J'ai tout ajouté. J'ai ajouté de l'oignon, margarine, de la sauce tomate à maquerelle. J'ai tout mis. Là, maintenant, je vais couvrir la marmite pour préparer encore pendant plus ou moins 5 minutes et enfin servir. Mon riz est prêt. Là, je suis en train de servir. Et voilà le résultat, voilà la couleur, c'est très bon. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Portez-vous bien. Bye bye.